Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir fait part de certains incidents sur Twitter. T'es raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Hein? T'es raciste. Oui. Que les gens n'ont plein de cul des Arabes. Bordel. Mais tu vas arrêter. Non. Comme des gens comme l'Equaliza, etc. Peut-être qu'ils apprendront le respect ou non. En fait, enfin, il y en a certains qui ont été bannis vu la gravité de ce qu'ils ont écrit. En fait, après, on verra s'ils savent comment dire apprendre le respect ou pas, ou s'ils ont jamais appris le respect. Je sais pas, peut-être qu'ils ont pas été éduqués. Je sais pas, ouais. Comment vous dire? Le public de Don Rafale, en fait, c'est que c'est un petit streamer de rien du tout, en fait. Ils sont jaloux par rapport à moi parce que, déjà par rapport à mes overlays animations que je crée moi-même, et par rapport au mood que j'ai de le live, en fait. Et du coup, ça crée la jalousie, c'est un peu, comment vous dire, c'est la concurrence, vous voyez. Mais ça, c'est le public de... C'est uniquement le public de Don Rafael, mais lui c'est un petit streamer. T'as rien du tout. Là. Bah franchement gros, il a plus de vues que toi, hein, Don Rafael. Hein? C'est pas un petit streamer de rien du tout, Don Rafael, ça va, il a du monde sur son live quand même. Bah c'est un petit streamer parce qu'il a 10 000 followers, c'est pas, tu vois, c'est pas... Un petit ouais, streamer. De toi à moi, gros. Et puis lui, par rapport à lui, bots, par exemple. T'as acheté des followers et t'as acheté des bots. Et... Oui, regarde. Qui a dit ça? Bah, moi. Yo, FZ, c'est bon, toi. Gentlemen, we got him.